Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Hearts of Iron 4, toujours en compagnie du futur empire britannique, la Fédération impériale, avec de la chance, parce qu'on veut aller casser les dents, parce qu'ils ont plusieurs dents à casser, ces connards, de ces enfoirés de Dominion. Pourquoi tu as cette idée? Je sais pas ce qu'ils disent. Alors, tac. Usine civile dispo, on va pouvoir continuer l'effort à la frontière. Tac, à la frontière américaine. Enfin, états-unienne. Ouais, tout à fait exact. Et oui, ça se dit. C'est dégueulasse. C'est l'une des pires abominations de la langue française, mais états-unienne, ça se dit. Non. Oui. Voilà. Tu m'as dit bonjour plus enfin, Corentin. Trotsky a assassiné. Bon bah, il sera pas au Mexique du coup. Ils en ont affecté. Ils sont combien? Oh oui. Je crois qu'il doit y avoir quand même des divisions. Ouais, il y a deux divisions coloniales. Tac. 24 divisions qui iront directement avec Monsieur Montgomery et Richard O'Connor. Bon bah, c'est déjà la paix. Ils ne peuvent plus bouger, c'est génial. Du coup, allez là-bas. Vous emmerdez pas, allez-y. Ça va prendre déjà un bout de temps, alors si vous partez pas en même temps, c'est chiant. Disons en exil, on est où là? Oh putain, connard. Allemand de merde. Déglinguez votre traceur. Bon, il reste qui en Foxan, à part là que c'est moi. Le front uni chinois, forcément. Et le comité. Ah, la capitulation d'Afrique du Sud. Ah, tu m'as fait peur, hein, connard. Bon, je vais quand même le garder, histoire de le terminer. Les 12e Jeux Olympiques à Helsinki. Bon, L'axe va être un problème. On va pas se mentir. Je pense que la prochaine cible devra être Tonton Youssef. Qu'on devrait attaquer depuis la Turquie. Attaquer depuis la Turquie me semble pas déconnant. Ah putain, l'Inde. Dépendance. Territoire occupé, Inde. Accorder indépendance. Ah oui, libère en tant que t'es bon, t'en fous pas déconner non plus. Afrique du Sud, Canada. Attends. Ah, j'ai pas de faction. Bon, on va créer une faction. On peut pas. Si, voilà. Là. Bah, on va être un connard qui n'a pas d'imagination. La Fédération impériale. Ah, les Allemands rompent avec l'Italie. Ouf. Ça, c'est pas mal. Ah bah non, ils le font plus. Ils le font plus, du coup. Mais du coup, vous êtes de nouveau dans l'axe? Bah oui, bah il a décidé que non, puis finalement, bon. Allez. Vous êtes tous dans ma faction? Vous êtes tous dans ma faction, c'est très très bien, c'est excellent. Là, avec les Commonwealth, c'est un problème. Boostez par là, on va bourrer comme un malpropre. Par contre, vous n'êtes pas un peu pète, un assez bon peu pète, vous.
Bah oui. Du coup, on a combien? 93 000, je vais t'envoyer 100 000 armes. Tiens, je t'envoie 22 000 armes. Moins 99. C'est de la merde. Parce que j'ai pas 220 000 âmes. Bon, allez, on lui envoie 200 000 âmes. Je sais pas si ça fonctionne comme avant. Avant, t'avais juste à lui dire je t'envoie 220 000 âmes et il est content. Il aura également déclaré hier rien souhaité. Oh putain, il va commencer à péter un câble à l'Allemagne. Il va commencer à péter un câble. Une fois qu'on a fait la Fédération impériale, on va attaquer les États-Unis, je pense. Il y a la chance que l'Allemagne se fera rouler sur le coin du cul. Peu probable, mais pas impossible. En 40 ou en 41, nous sommes en 1940 actuellement. Captation de la Chine. Waouh. Les fascistes sont violents dans cette game. Application de Carole 2, la Grèce a rejoint le comité. Ah bah très bien. Dépendance. J'en ai besoin de la Malaisie britannique. Est-ce que j'en ai besoin pour la Fédération impériale? Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada. On s'en fout là, non? Attends. Ah non, 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 oh là, l'Inde. On va arrêter le pré-bail tout de suite. On arrête le pré-bail tout de suite. Parce qu'apparemment, si j'ai bien compris, il faut pas que l'Inde se prive de sodomie. Oh, les emmerdeurs. Les emmerdeurs. Combien ils sont, eux? Ils sont pas des masses, hein. En soi. Ok. Attention. Ça comme ça. Quel est le problème? Bon, là pour l'instant c'est bon. Enfin, y a pas de problème. Pas que je sache. Ah, moi non, c'est pour l'Inde. L'Inde, il faut pas qu'on baisse son autonomie. Si on baisse son autonomie, il va jamais vouloir tenir à conférence impériale. C'est ce qu'on voit ici. Privé l'autonomie, l'Inde refusera systématiquement les propositions de formation d'une fédération impériale. Après, on pourra lui dire d'aller se faire mettre. Je sais pas, faudra voir. En décryptage. Oh putain, moins 40. Ah oui, ça fait. Bah du coup l'Inde. Fais-moi tout ça s'il te plaît. Voilà. Là d'accord. Là j'accepte. Ici on va continuer. Marines. J'ai pas super envie de restreindre leur autonomie pour l'instant. Ça m'intéresse pas.
T'en dis, c'est rien en industrie, ouais, je sais. Bon, c'est vrai que je pourrais en refaire mon carburant du coup. Mais oui, je sais que ça sert à rien actuellement. Demande une compensation non satisfaite, quitte à. Qui sont les connards qui me le font pas? Oh mais l'Inde, tu te fous de prépa un peu de ma gueule là! Allez hop, on va faire ça. Restons tous dans les ports, c'est bon. Lien avec le Commonwealth. Du coup, il faut développement de la Nouvelle-Zélande, c'est ça? On va tout faire. On va devoir tout faire. On pourrait créer quelques navires supplémentaires du coup. Cuirassé, non. Je vais bien pouvoir créer des porte-avions. Donc au moins un composant. Comme ça on va pouvoir créer notre propre porte-avions. C'est parti. 16 mai 19... Putain. Un an et demi quand même. C'est un peu la violence. On va créer un deuxième. Parce que pour tenir la conférence impériale, prévoit au moins 500 points de politique. Parce qu'il faut que tu te prennes toutes les licences que tu as débloquées en moins de 90 jours. 500 points de politique. Ok, bah j'ai juste à économiser du coup. Ça aurait pas prendre longtemps. Je regarde un peu ce qu'il y a de possible à faire, mais rien de forcément intéressant. On va garder le point du coup. Ah, tiens. C'est un peu le bordel les navires maintenant. Et toi, arrête de t'entraîner, t'en as plus besoin. Voilà. Bon, bah, plus qu'à attendre. Bah restons en x3. Technique d'assaut de tourne. J'y suis arrivé sur la route du fond, c'est un peu ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait en usine civile du coup? Tu veux du carburant? Pourquoi pas? On va avoir quand même beaucoup d'usines, ça c'est plutôt pas mal. Je sais pas combien ils vont être en face. On a quand même des forts, donc je m'inquiète pas plus que ça. Au pire, ce sera le Canada qui se fera envahir. C'est pas un drame. Je le vis bien. Peut-être éviter bah, les bombardements. Hein. 41 peut commencer à construire ça. Ah merde, j'aurais dit. Bon, c'est pas grave. Faudra me pas s'y penser du coup à construire, enfin à rechercher les nouvelles armes d'infanterie. Capitulation de la Grèce, bon ça c'est pas une... Voilà quoi, on s'en doutait. On s'en doutait aussi, l'Union soviétique s'est fait démonter la tronche, vous on en a rien à cirer. Gardez vos troupes, mon truc, bande de trous du cul s'il vous plaît. Ah mais l'Inde, tu te fous de ma gueule. Allez Australie, filme-moi le truc. Voilà. Je vous ai dit quoi à propos des trucs qui servent à rien là. Ah, arrêtez de me casser les couilles. Voilà. Donc 70, il nous reste 210 jours avant de former... Enfin, avant de commencer à former la fédération impériale.
Le RSS, les pauvres, ils se font attaquer en 40. Bah. Qu'ils se fassent attaquer en 40 ou en 41, ils se font rouler dessus à chaque fois, donc de toute façon, ça change rien. Arrêtez de me filer vos troupes de merde, gardez-les! Je m'en fous! Ah ouais, là j'ai tout le. J'ai tout le caoutchouc mondial, c'est un peu la violence. Hein. Avec la Malaisie. J'ai rien à savoir à qui ils exportent la Malaisie. Arrêtez de me filer vos troupes de merde, gardez-les! L'axe est un peu violente dans cette game. Genre vraiment violente. Après, si j'attaque le gouvernement réorganisé de Chine, est-ce que le Japon entre en guerre? Je pense pas. Donc si j'attaque le gouvernement, le machin réorganisé de Chine, on pourra amener le Japon là, contre nous. Commencer à étendre notre influence en Asie. Ce serait pas déconnant. Ah oui, c'est vrai. Ah non, c'est 42, pas 41, j'ai oublié les détails. Pour leur acheter tous les pays d'Afrique, comme ça ils font quelques troupes, ils développent leur pays, ils focus et c'est direct plus tard. Oh, pardon. Fatigue. Non. J'ai pas besoin de troupes. Arrêtez, me filez tout ça, s'il vous plaît, je m'en branle. J'ai 592 points politiques. C'est toujours un peu long de faire ça. Hein. Faut champer ou pas? C'est quand même vachement long. Hein. Tous les commandes unités intègrent la Grande-Bretagne. Je pense qu'après le développement de Nouvelle-Zélande, on va partir sur. C'était. Réunifie le monde anglo-saxon. On va commencer à casser la gueule aux États-Unis. Sinon, ça risque d'être un petit peu trop long. Pas tant de troupes que ça, les États-Unis pour le coup. Si on peut créer genre 24 divisions supplémentaires, ce serait pas mal. Hein. Tu peux entraîner tes nouveaux hommes. Je n'ai pas de nouveaux là en soi. Si, j'ai quelques divisions en plus. Oui, on pourrait faire ça. Allons-y. En attendant. On va. Attends, d'autres offensives, non. Peut-être défense avec flexible, ce serait pas mal. Un taux de recouvrement, je préfère. On va faire le taux de recouvrement pour Montgomery. Pourquoi tes dépenses, tu donnes des trucs gratos parce qu'ils me font chier? Non, parce que c'est leur IA qui est codé comme ça, c'est tout. J'en veux pas leur troupe, hein, qu'ils les gardent. Ils sont tellement pourrir la gueule ceux-là. Je pourrais en prendre.
Industrie dispersée. Après 41, on pourrait continuer les chars, mais parce que c'est vraiment utile. Ah non, par contre, l'artillerie. L'artillerie 100%. J'ai beaucoup d'artillerie d'ailleurs. 12 000. Attends, je l'ai pas sauvegardé. Ah oui, non, je l'ai pas sauvegardé, oui. Pas une reconnaissance au minimum. Ouais. Train de transmission, je pense pas, parce que j'ai pas les véhicules. Enfin, si j'ai des véhicules, mais j'en produis pas. On va au moins faire l'hôpital de campagne quand même. Remplacer ça par de l'artillerie. Ta gueule. Combien me faudrait? J'ai assez. Ça, on supprime. Et j'ai pas assez. Ok. C'est pas grave. Fais des marines. Améliore tes avions. C'est bon. Vous savez que je peux pas tout faire en même temps au cas où. Plus ces avions, j'en ai quoi? J'en ai 12. Ah, j'en ai 3 000 quand même. Et les marines, ça ne sert à rien là. Pour le coup, je vois pas pourquoi tu me demandes de les faire, ils servent à rien. Je peux en créer, hein, mais ils vous servent à rien. On va partir sur l'aviation, pourquoi pas. Après tout. J'ai 700 points, je pourrais peut-être dépenser quelque chose. Logistique, surtout par là. Ouais, on va faire de la logistique. On va quand même garder toujours 500 points. Ici, ça devrait bien s'améliorer. Oui, effectivement. On a fait réunifier le monde anglo-saxon. On va donc pouvoir déclarer la guerre aux États-Unis. Un petit développement du Canada. Et c'est parti. On attend. On arrête ça. Canada 27. Ok. C'est un peu tendu. Ah, ils sont nombreux quand même. Ah oui, ils ont doublé leur effectif depuis tout à l'heure. Seulement. Ah putain, les véhicules motorisés aussi qu'il faut que je fasse. Motorisé, c'est un peu plus important que les chars pour le coup. Ok, ça me concerne pas. Pourquoi ils font quoi? Japon qui... C'est Japon qui vient me casser les couilles, pourquoi? Attaquer la région utile du sud, c'est quoi? Ah non! Oh, tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire ça. Pourquoi préparer des débarquements sur les USA? Pourquoi? Ça ne sert à rien. À part, ils ont deux fois plus de navires que moi. À part perdre tous mes navires, ça ne sert à rien. Construire des véhicules motorisés. Maintenant, il y a le carburant, je vous rappelle. Et je me qui fait ça. Moi, j'en crois. Ouais, oui. Oui, oui, oui. Pour faire mes trucs, oui. Donc ça, c'est normal. Par contre, il faudrait que je puisse défendre des unités ici. Ah, il va m'emmerder, ce putain de Japon. Après, il pourra pas envahir ici, il pourra pas envahir l'Australie. Ah si, bah si, il pourra envahir la Malaisie vu qu'il va les attaquer. Au niveau des navires, il y en a combien? Alors, du coup, monsieur malaisien, toi. Ça fait beaucoup. Allez-y. Pour protéger la maladie. Ça va être le cœur économique du Japon si on protège pas la maladie. On va peut-être éviter. Vu que les Japonais et les Américains sont en dessous, c'est vrai que ce serait plutôt pas mal pour eux. Bah si, ils sont en guerre là, si je dis pas bêtise. Ouais. Regarde contre tous ces connards.
Ah, ils vont peut-être bouger tes unités d'ici, non? Pourquoi t'as 20 divisions là? Pourquoi? Pourquoi 20? D'accent Japon pour détruire les Nippons. Ouais. Je sais pas. C'est chiant en fait avec le contre le Japon. Après c'est vrai que je pourrais les envoyer là. Je pourrais envoyer des gens à Hong Kong. Que problème, si j'attaque le Japon maintenant, les États-Unis vont encore exploser. Mission partielle, libre-échange, service court, ils ont tout fini. Donc là, ils vont juste exploser en fait. Division, ils ont pété un câble. Ils ont combien de... ils ont beaucoup plus de navires. Est-ce qu'il y a de chasseurs que moi en plus hein. Ils sont tellement plus nombreux. J'ai 144 divisions qui sont sur le sol américain. Ils ont 60 de plus que moi. T'as perdu l'Inde? Non. Pourquoi j'aurais perdu l'Inde? Fais gaffe au front hindou. Je vais pas les envoyer. Enfin, je vais pas les choper dans la guerre, les Indiens. Donc c'est pas important ça. Ça me fait chier, c'est la Malaisie. Si la Malaisie tombe, ça va être la merde. Pour ça, j'envoie 24 divisions. Si j'attaque pas les États-Unis, ça va être la grosse merde aussi. Faut que j'attaque les États-Unis, hein. J'ai bord tourné dans tous les sens et je me dis les États-Unis ils vont encore exploser. Ils vont envoyer avoir tellement plus de troupes que moi. Je vais pas faire autrement. Hein. Le problème c'est que je sais pas si je vais réussir à tenir. Faut que je puisse faire des frappes coordonnées. J'ai rien à me laisser se péter sur mes forts. Le problème, c'est qu'ils ont beaucoup plus de troupes que moi quand même. Ils ont 20 divisions, 13 divisions. Volement, ça peut être plus mieux. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, appel aux armes du Canada. Et on se quitte là pour cet épisode, parce que ça fait déjà 30 minutes. On a passé un bout de temps à réfléchir, pour le coup. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve du coup demain pour la suite. Bisous. Cliquez bouton.